بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors merci pour l'invitation, merci d'être là. Je vais être, comme a dit le frère Fathallah, je vais être succinct. C'est bon, Barakallahu fik. Bon, c'est difficile de passer après Fathallah, mais bon. On m'a demandé de travailler ou de parler sur le verset min surat an-nur où Allah subhanahu wa ta'ala dit fi buyutin adina Allahu an turfa fi buyutin adina Allahu an turfa wa yadhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dans des demeures où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission. Donc déjà là, donc moi je viens d'Aix en Provence, enfin j'habite à Marseille mais je suis à Aix. Je viens de Marseille et je peux vous dire qu'on a voulu faire la grande mosquée à Marseille, ça n'a jamais fonctionné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait le consulat, parce qu'il y avait la mairie, parce qu'il y avait un niyet qui n'était pas... Et Allah, il sait ce que nous avons tous dans notre cœur. Ça n'a jamais abouti. Les femmes ont donné leurs anneaux. Hein? Les femmes ont donné leurs bijoux pour la mosquée. Et le Front National a attaqué le parking, a attaqué la mosquée par le parking. Ils ont dit que le projet que vous avez fait, l'architecte n'a pas prévu, il y a 16 000 places, vous avez fait une mosquée pour 16 000 personnes, je crois, et il n'y a pas assez de places de parking, donc vous allez empiéter sur l'espace des autres. Du coup, le tribunal administratif a annulé le projet, a annulé le plan d'architecte qui a coûté, je crois, 250 000. Et l'architecte était lié au consulat d'Algérie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à l'aise. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la permission. Quand les choses ne vont pas, c'est pour ça que la première chose, comme disait le frère Abdallah, Fathallah, première chose, c'est notre sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on fait les choses? Alors, si vous regardez bien, quand on lit l'ayah fil Qur'an, les ulama nous disent, l'ayah, il faut regarder le contexte de l'ayah, c'est-à-dire ce qui est avant, ce qui est après, et ce qui ressemble à l'ayah. Okay? Et si vous regardez bien l'ayah, fi buyutin adina Allahu an turfa, dans des demeures où Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'elle s'élève, l'ayah qui vient avant, vous savez de quoi il parle Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu nuru samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. الله سبحانه وتعالى يبارل de la lumière. Et cette lumière, en fait, l'imam al-Tabari, شيخ المفسرين, il dit, cette lumière, Allah سبحانه وتعالى, il parle du cœur du croyant. C'est ça, en fait. Le cœur du croyant qui est alimenté par deux choses. Par le fitra, certains savants, ils ont dit, elle est alimentée par le fitra et par Zayt, c'est quoi Zayt ici? C'est la parole divine, le Coran. Et le cœur du croyant, c'est une lumière pour lui-même et pour les autres. Allahu nuru samawati wal ardh. Alors, un petit commentaire sur Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala s'ammaha Surat An-Nur. Hein? Surat An-Nur. Et Surat An-Nur, c'est la seule surat qui commence par Suratun anzalnaha wa faradnaha. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu d'autres surat. Mais c'est la seule où Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons descendu cette surat et nous avons rendu obligatoire. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose comme 40 règles juridiques dans surat al-Nur. Dans surat al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de respecter justement l'espace privé. Ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta... Non. حتى بارك الله فيه ما قالش حتى تستأذنوا قال حتى تستأنسوا الأنس والإذن c'est pas la même chose. الأنس c'est je suis content que tu viennes chez moi parce que tu me tiens compagnie, je suis heureux. الإذن je te permets de faire quelque chose. Tu me dis je peux venir chez toi, viens, même si je suis dérangé, mais je te dis viens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala قال حتى تستأنسوا
comme disait le frère Fethallah tout à l'heure, le respect de l'espace privé, le respect de l'intimité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de tout ça sur le Nour. Sur le Nour, Omar ibn Khattab, il disait, apprenez à vos femmes et à vos enfants quatre sourates. Lesquelles? Sourate al-Baqarah, sourate al-Nisa, sourate al-Nur et sourate al-Ahzab. Et vous remarquerez que dans toutes ces sourates, il y a énormément de règles juridiques. Il y a énormément de règles qui nous permettent de vivre en harmonie. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé dans cette sourate, sourate anzalnaha wa faradnaha, anzalna fiha ayatin bayyinat. Juste après ça, juste après la première ayah, de quoi il parle Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez de quoi il parle? Zaniyat wa zani. Zaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle de fornication alors qu'au départ il nous dit suratun anzalnaha? L'ulama, comme fait ulum al-Qur'an, on vous dit le mot surah, d'où vient le mot surah fait ulum al-Qur'an? D'où vient le mot ayah? Le mot ayah c'est une preuve, c'est un signe. C'est ça ce que ça veut dire. Autrement, l'ayah, chaque fois que tu lis une ayah fait le Qur'an, c'est un signe de la véridicité d'Allah, de la présence d'Allah, c'est un signe de la véridicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surah c'est quoi? Alors, il y a deux explications. Il y en a qui disent, quand tu bois dans un verre et que tu laisses un petit peu dans le verre, ça s'appelle surah, c'est-à-dire le reste du verre. Autrement dit, surah, c'est un petit chapitre d'un grand qui est le Coran. Ou bien, surah, sur, vous voyez, c'est une enceinte. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'enceinte de la société est protégée. Par quoi? Par les paroles divines, justement, par les règles que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposées. La première chose qui peut fissurer l'enceinte de la société, c'est quoi? C'est la fornication. C'est zina. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite derrière, il nous dit, et après, bien sûr, il parle de qui? De ceux qui calomnient ou ceux qui font de faux témoignages. Il nous parle de tout ça. On revient à notre ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Des demeures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevées. Mais juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala parle de nour. Nourun ala nour, yahdi Allahu li nourihi man yasha. Quelqu'un peut me rappeler le dua quand vous allez à la mosquée? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de nour. Et on vous dit, ça c'est qui? C'est le croyant. Ah, c'est le croyant, il parle de la lumière. Et ce croyant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit du'a nour en allant à la mosquée. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si vous voulez retrouver nour, la lumière, si vous voulez retrouver le croyant qui jaillit de lumière, vous allez à la demeure de Dieu. À la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Qui vient à la mosquée? Celui qui a la foi. Alors, une règle juridique justement. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ زِدْ وَيُذْكَرُ فِيهَا إِسْمُهُ. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous voyez quelqu'un يَبِعُ وَيَبْتَعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُ لَهُ La arbah Allahu tijaratak. Si vous voyez quelqu'un faire du commerce dans la mosquée n'est pas faite pour faire du commerce. Elle est faite pour qu'on se rappelle de Dieu. Et le rappel de Dieu, ça nous apaise. C'est ça la mosquée. Fi surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَبِهَا. L'imam Malik, radiyallahu anhu, rahimahullah, radiyallahu anhu, il dit, si sur le passage, quand tu vas à la mosquée, et tu habites sur le chemin pour aller à la mosquée, et tu as un chien qui en aboyant effraie les gens. Tu rentres dans cette ayah. Tu rentres dans cette ayah. Donc qu'est-ce que vous pensez, que diriez-vous de quelqu'un qui fait la fitna dans la mosquée? Et que les gens ils vous disent, moi j'aime plus aller dans cette mosquée parce qu'il y a des gens qui sont agressifs. Qui sont agressifs parce qu'ils ont un certain comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il dit, ya ayyuhal mudathir, zid, om fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir. ثيابك فطهر والرز فهجر زيد ولا تمنن تستكثر. Ça veut dire quoi ولا تمنن تستكثر? C'est-à-dire, ne pense pas que parce que tu fais beaucoup que voilà maintenant toi tu es quelqu'un, tu es quelque chose parce que tu as fait des prières, tu as fait qiyam l'ayl, tu as fait ceci, tu as fait cela. ولا تمنن تستكثر. Ce qu'on doit Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez pas imaginer. Moi je parle toujours quand je dis dans mes conférences, j'aime pas le mot religion parce que le mot religion il a une connotation négative en France et en Europe. Dès qu'on parle religion, on parle de quoi? On parle de guerre de religion, on parle de Qatar, les Guenots, on parle les guerres de Vendée, enfin ce qui s'est passé en Europe durant des siècles, hein, ce que l'Église a.
Moi, je préfère le terme foi. Hein. Et en arabe, on ne dit pas religion, parce que religion, ça vient de relier les gens, mais on dit din. Et din, ça vient de quoi? Ça vient de dain, ça vient de dette. Mais ça vient aussi de dana et dino. Dana, c'est être en humilité. Donc notre din, c'est quoi? C'est aussi être en humilité devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, il dit, « وَلَا تَمْنُونَ تَسْتَكْثِرَ » Mais que le message au prophète, il nous est destiné aussi. C'est-à-dire que quand tu fais, ne pense pas que tu es arrivé, c'est bon. Alhamdulillah, nous, on va rentrer au paradis. تَخَذْتَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَ. Tu as pris un pacte avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comment tu sais? Donc il y a des gens comme ça, hein, toi tu ne pratiques pas la sunnah, moi je ne te sers pas la main. Ouh, la ilaha illallah. La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne rentrera pas au paradis celui qui a un grain d'orgueil dans son cœur. Il faut faire très attention par rapport à ça. Alors je reviens au verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ بَوَأْنَا الْبَيْتَ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Le lama, à partir de cette ayah, ils disent, tous ceux qui participent à enlever, je veux dire, une miette de la mosquée, ils rentrent dans cette ayah. Autrement dit, Zawaru al-Masajid, hum ghuyuf Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si vous êtes les invités de Dieu. Qui c'est qui vous réceptionne? Ce sont les anges qui sont à la porte de la mosquée. Tous ceux qui permettent, vous imaginez, hein, tous ceux qui permettent qu'on ait une belle mosquée comme celle-là, qu'on ait une belle mosquée comme ça, et rentrent dans l'ayah de Sayyidina Ibrahim. C'est-à-dire que quelqu'un qui prépare le lieu, qui prépare le lieu de prière pour les gens qui viennent visiter Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez la récompense. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « lillah » Même si c'est un petit nid d'un oiseau, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui consacre, lui donne un palais au paradis. Imaginez ce que vous pouvez avoir quand tous les gens qui viennent prier à chaque fois, c'est parce que vous avez participé à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je reviens sur le tanur, il dit fi buyutin Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat fiha misbah al misbah fi zujaja zujaja kana kawkabun durri يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, après le nour, après avoir parlé de nour, et on a dit que le nour, c'est bon, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après le nour, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت أذن الله يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال زيد. Après, رجال. Allah subhanahu wa ta'ala, سماهم رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. On vous dit que le jour du jugement, le cœur n'est plus à sa place. في الدنيا وبلغت القلوب الحناجر. في الدنيا سورة الأحزاب, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand les Ahzab sont venus et que les compagnons avaient très peur, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وبلغت القلوب الحناجر. Autrement dit, c'est comme si le cœur est monté jusqu'à la gorge. Alors يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le cœur ne sont plus à leur place. Il y a d'autres versets, liyadziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle après cette ayah, il nous parle ladina kafaru amalahum kasarabin biqi'ah yahsibuhu dhama'anu ma'a. Allah, il nous parle du mécréant. Alors faites attention, le mécréant, souvent, quand on dit le mécréant, quand on dit le kuffar, pardon, on pense au mécréant. Or, le mot kafara, fil lugha al-arabiya, c'est ça, c'est caché en fait. Et fait surat al-hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yu'jibu al-kuffar an-nabatu. Et le kuffar ici, fil surat al-hadid, ce sont les agriculteurs. Parce qu'ils prennent la graine, ils la mettent sous terre, et ils recouvrent la graine par la terre. Et donc le kuffar ici, il parle des agriculteurs. Le mécréant, généralement, ce qu'on appelle kafara, le kafir, qu'est-ce qu'il fait? Il cache la vérité ou le fitra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui. C'est ça le kafir. C'est ça le kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez l'histoire, enfin, il y a une expérience récente, Dr. Cahill, il parle de ça, il dit qu'on a fait
qu'on a fait une expérience sur, on a pris des athées, on leur a placé des électrodes et on a vu leur réaction sur le cerveau, la réaction sur le cerveau quand on dit certains mots. Et quand on dit le mot Allah, le mot Dieu ou God, comme vous voulez hein, en anglais, il y a la zone de peur qui clignote, la zone de peur qui réagit dans le cerveau. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ » Au fond de lui-même, l'être humain, au fond de lui-même, l'être humain, il croit en Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana al-fitra. Et il y a des gens qui font des choses tout en ne croyant pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne le font pas pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les œuvres de ces gens-là, c'est comme un mirage. Donc ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie, mais ce n'est pas ça. Mais ils viennent, quand ils viennent au mirage, quand ils viennent où ils pensent qu'il y a de l'eau, ils trouvent qui ? Ils trouvent Allah subhanahu wa ta'ala qui va leur donner leur rétribution. Mais regardez l'aïe où je voulais arriver. « Awka dhulumatin fi bahri al-luji » Écoutez bien. « Awka dhulumatin fi bahri al-luji yakhshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd » إذا أخرج يده لم يكد يراها استغفر الله ومن لم يجعل الله له نور فما له نور فما له من نور أبخي الله سبحانه وتعالى يدي ألم ترى أن الله يسجي أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض On s'arrête un petit peu sur cette آية الله سبحانه وتعالى il nous dit ceux qui sont dans les ténèbres il parle des mécréants ceux qui sont dans les ténèbres il dit c'est comme quelqu'un qui est dans une mer profonde Écoutez bien. Quand quelqu'un qui est dans une mer profonde, Bahar Luji. Luji, ça veut dire que les vagues, ça va et ça vient. Hein? Abkadulumatin fi Bahar Luji, yarshahu mawjun min fawqihi mawj. Al-Bahar Luji, donc il est profond, pardon. Luji, c'est-à-dire il est profond. Ensuite, il y a des vagues à la surface et des vagues. Alors, quand on va à la mer, on voit les vagues au-dessus et on voit des vagues. Il y a des vagues sous les vagues qu'on voit. On ne savait pas ce phénomène, on ne connaissait pas ce phénomène. On a découvert ce phénomène juste au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, c'est un marin scandinave qui voyait que son bateau n'avançait pas. Et là, on a découvert que les vagues qu'on voit à la surface, il y a des vagues sous les vagues qu'on voit à la surface. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, fait sur le tannur. Mais attendez, c'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala, fawqihi mawjun, min fawqihi sahab, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Le lama, quand ils expliquent cette aya, regardez, quand ils expliquent cette aya, ils nous parlent de la lumière du soleil. La lumière du soleil, quand elle arrive, quand elle descend, comme ça, la lumière du soleil, il y a des nuages. Les nuages vont absorber une partie de la lumière. Jusqu'à 50% de la lumière. Cette lumière va arriver sur la surface de la mer. Et dès que la lumière arrive sur la surface de la mer, la lumière est composée de 7 spectres de lumière. Le premier spectre qui est absorbé, c'est quoi ? C'est le rouge. Et on vous dit, au bout de 10-20 mètres, si un plongeur se blesse, il ne voit pas la couleur rouge. Son sang devient noir. Et en fait, plus vous descendez, plus la lumière est absorbée. Le dernier spectre qui est absorbé, vous savez lequel ? C'est le bleu. C'est pour ça que la mer est bleue. Et plus vous descendez, au bout de 100 mètres, 200 mètres, vous ne voyez plus rien. Dhulumat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ça, fait sourate al-Nur. Et il nous dit, il sort sa main, il ne la voit pas. Tellement c'est les ténèbres. Alors moi je pose une question, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui nous disaient que le Coran c'est Mohammed qui l'a écrit, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que dans la profondeur des mers il n'y a pas de lumière. Mais derrière, regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de lumière, il n'aura pas de lumière. On pensait que dans les profondeurs de la mer, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Mais en fait, on a découvert qu'il y a des petits êtres et qui vivent comment ? Ils ont une réaction chimique dans leur corps qui leur donne la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de lumière pour être guidé dans cette vie, il n'aura jamais de lumière. Si tu n'as pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la lumière d'Allah, tu ne peux l'acquérir que dans sa maison.
Je reviens sur... Alors, ce verset, cette ayah, elle est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous explique, enfin, elle nous dit des choses que, plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit... ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. الله سبحانه وتعالى يجري سحاب. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il cumule des nuages, merci. Et il nous dit, yunzilu al-barad, il descend. Al-barad, c'est les grelons. Hein. Ouais. De nuages qui sont comme des montagnes. Aujourd'hui, les météorologues, ils vous disent, les grelons descendent de nuages qui mesurent jusqu'à 12 km. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, sahab, qui a en haut, qui descend, qui fait descendre les grelots, hein, quel jibel. Il faut bien entendre, mais j'ai l'eau rocamel, fatal à l'autre, et j'ai l'eau rocamel, on est zulu, min jibel, in fi, hamin baradin, fayusebu bihi ben yasha, wa yasrefu ham ben yasha. Alors, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que le barad qui sortait, c'était des montagnes. C'est juste deux nuances, c'est surat al-Nur. Je reviens. Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkaru fiha ismuh. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit ala adullukum ala ma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yamhu bihi al-khataya. Au contraire, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je vous indiquer quelque chose par laquelle Allah vous efface vos péchés et vous élève. Hein, il vous élève en station de foi. Allô, bala ya Rasulallah. Ya Rasulallah, on veut bien que tu nous dises. Qu'est-ce qu'il a dit ? La première chose, isbaghul wudhu' 'inda al-makarih. La deuxième chose, il a dit kathratul khuta ila al-masajid. Et la troisième chose, c'est quoi ? Intidharu as-salati ba'da as-salat. Fadhalikum ar-ribat. Ar-ribat, vous savez ce que c'est ? Ar-ribat, c'est être, comme on dit, soldat. C'est-à-dire, tu tiens ta position. C'est ça, en fait. Et alors, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit les choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous efface les péchés, nous élève en station, il y a trois choses. La première chose, c'est quoi ? Isbaghul wudhu 'inda al-makarih. C'est-à-dire, tu refais les ablutions quand tu n'as pas envie. Alors, quand vous lisez la traduction ou l'explication de ce hadith, on vous dit Isbaghul wudhu 'inda al-makarih, il fait froid, tu n'as pas envie, surtout vous êtes à Lyon, hein, vous êtes proche des Alpes, donc il fait froid, tu n'as pas envie. Le lama, ils disent non. Quand tu travailles dans une administration, tu es en costard, ou la femme elle a fait un brushing, il faut que tu passes la main sur les cheveux. Et là, tu n'as pas envie. C'est ça, Isbaghul wudhu 'inda al-makarih. Vous voyez ? Tu n'as pas envie, mais l'ordre de Dieu, il vient. Et l'wudhu, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, dans les stations de l'imam Ibn al-Qayyim, il explique dans Madarij al-Salikin, il dit, nous cheminons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que vous dites une fatiha, qu'on dit à chaque fatiha, c'est un cheminement vers Allah. C'est-à-dire, nous sommes en train de marcher et de cheminer vers Allah. On chemine vers Allah, mais le cheminement vers Allah, il ne se fait pas d'une manière horizontale, mais il se met d'une manière graduelle comme ça. En fait, à chaque fois que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu vas acquérir une nouvelle connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que dit Ibn al-Qayyim. Tu vas acquérir une nouvelle connaissance qui te rapproche d'Allah. Mais plus tu comprends cette station de foi, la station de foi que tu comprends, plus cette station de foi tu la comprends, plus ta vision des choses change. Plus ta vision, il en énumère quelque chose comme 100 stations. Et dans les stations, il commence par l'irada, la volonté, le tawba, le repentir. Il y a une station qui s'appelle le mujahada. Et quand il parle de l'mujahada, il parle de l'ayah fi surat al-Ankabut où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui ont fait l'effort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va les guider, hein, il va leur ouvrir subulana, c'est-à-dire tout le chemin vers Dieu. Il va te raffermir dans ta foi. Et il dit Ibn al-Qayyim, l'mujahada nécessite que tu combattes 4 choses, 5 choses, 6 choses. Et il dit, la première chose c'est quoi ? Shaitan. Vous savez comment on explique Shaitan ? Il vous dit, vous habitez dans un quartier, vous êtes en conflit avec quelqu'un. Quand tu rentres dans le quartier, tu fais attention.
parce que tu sais qu'il y a quelqu'un avec qui tu es en conflit et qui risque de t'agresser. Donc tu prends toujours, tu es toujours sur tes gardes. Le problème avec Shaitan, c'est qu'on oublie qu'il est toujours là. Nous, on oublie qu'il est toujours là, et du coup, Shaitan, il vient, hein, il nous susurre, il waswase. Quelle est la solution contre Shaitan? La première chose, il dit, « Silah al-mu'min », c'est quoi? Al-wudu. Al-wudu ou silah al-mu'min. Donc reste toujours à la wudu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège. Du'a, salatu fi waqtiha. Vous voyez, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Isbarul wudu al-makari », quand le prophète, il nous dit, « Refaites vos ablutions », si tu refais tes ablutions, Allah subhanahu wa ta'ala, « Yamhul khataya », il efface les péchés, il te lève en station. Les stations, c'est ce que je viens de dire. Ibn al-Qayyim, je ne vais pas faire un cours sur les stations, mais il parle de al-shaytan, al-nafs, al-fitan, mujahadat al-fitan. Il parle de mujahadat al-ma'ani, Ibn al-Qayyim. C'est ce que ça veut dire mujahadat al-ma'ani. Mujahadat al-ma'ani, tu dois faire face aux gens qui vont dévoyer les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran. Nous avons aujourd'hui des termes que vous avez peur quand vous le dites. Vous parlez de djihad, ouf, astaghfirullah. Non, non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mujahadat al-ma'ani, qu'est-ce que ça veut dire? Al-haramu haramun ila yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas appelés intérêts. Il a appelé ça riba, usure. Et on change le terme pour le faire accepter par les gens, on dit des intérêts. Ok? Zina, c'est une liberté. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ma zina. Fornication. Ça casse la société, ça casse l'honneur, ça casse la famille. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est Ibn al-Qayyim, il dit djihad. Le fait de combattre ça, c'est un djihad. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans la norme que la société, elle veut. Pourquoi? At-tatbi'u al-haram. Pourquoi nous n'avons pas le droit de s'asseoir à une table où il y a une bouteille de vin? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Très bien. C'est pour ne pas banaliser le mal. Tu n'as pas le droit. Sinon, tu banalises le mal. Sinon, toi, tu deviens le mal. Et en fait, at-tatbi'u, on commence doucement jusqu'à ce qu'on fait accepter aux gens des choses qui seraient inacceptables. Comme, voilà, vous voyez, le mariage pour tous. Ah bon. Donc Ibn al-Qayyim parle de Mujahada. La première des Mujahada, c'est quoi? C'est que tu es le wudu. Ensuite, Rasulullah sallam, il dit quoi? Il dit Isbaghul wudu 'inda al-makarih. Ensuite, Kathratul khuta ila al-masajid. À chaque fois que tu fais un pas vers la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque pas, il efface les péchés, il t'élève en degré. Et la troisième, c'est quoi? Intidar al-salat ba'd al-salat. Fadalikum al-ribat. Alors, intidar al-salat ba'd al-salat. Est-ce que tu fais l'asr et tu attends le maghrib? Est-ce que c'est ça? Il y en a qui ont dit ça. C'est vrai. Il y en a qui ont dit que tu fais l'asr et tu attends le maghrib en étant à la mosquée, dhikrullah. Alors, dhikrullah, Ibn al-Qayyim, justement, qu'est-ce qu'il dit sur dhikrullah? Il dit, dhikrullah, ma'na an tastahdir Allah fi kulli a'malik. Ça veut dire que tu, dhikrullah pour toi c'est quoi? C'est que tu as la présence de Dieu à chaque fois que tu veux entamer une action. C'est ça dhikrullah. Bien sûr dhikrullah c'est Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Tout ça c'est dhikrullah. Il faut comprendre le sens profond de ce qu'on est en train de dire. Mais surtout dhikrullah, il dit anta stahdhir Allah fi kulli a'malik. Ouais. Alors ensuite il dit intidar al-salat ba'da al-salat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais à un endroit donné, je sors à 8h de chez moi, je vais à un endroit donné, je ne suis plus dans mon quartier où je connais la mosquée, je connais. Mon souci premier est de savoir où est-ce que je vais faire mon dhohr. Et quand je me déplace, je vais à Paris, où est-ce que je vais descendre à la gare de Lyon, mais après, où est-ce que je vais faire dhohr? Où est-ce que je vais faire mon as? Où est-ce que je vais faire? Et vous savez ce que ça veut dire ça? « وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا » Comme disent les fuqaha, ils disent وَكَأَنَّكَ Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit قَدْ نَرَ تَقْلُمَا فَنُوِنِكَمْ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Là où tu es, tourne-toi vers la qibla. Autrement dit, la qibla où Allah subhanahu wa ta'ala doit être la centralité dans ton cœur, la centralité dans ton comportement de tous les jours. La centralité, c'est quoi? Elle passe par la maison de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. C'est bon? Merci à vous.